J'aime beaucoup l'idée que le leader n'est pas quelqu'un qui apporte des réponses, mais le leader est quelqu'un qui pose des questions. Donc, j'adore cette idée-là. Donc, prise de décision, qui va prendre les décisions? Ben, forcément pas, ça va pas être fait de manière centralisée, ça va être fait de manière distribuée. Chacun va prendre les décisions qu'il faut prendre à son niveau. Et est-ce qu'elles vont être prises de manière collective? Alors, on pense au vote ou au tour de table ou au consensus ou etc. Non, je pense pas non plus que ça va se passer comme ça. On peut pas se permettre, c'est pas assez rapide, etc. Par contre, l'émergence a un sens parce que le collectif permet ça. Le collectif va faire émerger des décisions logiques. Le fait d'être un environnement collaboratif, d'avoir accès à beaucoup de parties de l'entreprise, de travailler avec, de passer de l'information, de donner de l'information et puis d'en voir apparaître d'autres parties de l'entreprise, va faire que les décisions ça va être logique de partir dans un sens et pas dans un autre. Donc décision distribuée, décision émergente. Donc la prise de décision, oui, elle est différente. On va beaucoup moins être dans l'analyse rationnelle d'informations et d'indicateurs de performance et autres avant la prise de décision, et beaucoup plus être à l'écoute de ce que justement les environnements collaboratifs vont faire sortir. Donc c'est dans tout l'amont que ça va être que ça va changer. Ok, dans toute la partie pour prendre une décision, pour avoir de l'information. Donc toute la partie acquisition de l'information se fait totalement différemment. Alors en plus, on commence à parler de big data qui va encore donner une dimension différente, mais les indicateurs de performance en eux-mêmes, c'est aussi un sujet sur lequel je travaille régulièrement, les indicateurs de performance sont aussi des choses qui rigidifient l'entreprise et qui ne lui permettent pas de s'adapter suffisamment vite au marché, voire de se transformer suffisamment vite. Les KPI, les Key Performance Indicators dont on parle régulièrement, qui sont portés au nu, c'est quelque chose qui est très sclérosant pour une entreprise. Voilà pour la prise de décision. Prise de décision distribuée ou répartie, c'est encore mieux que distribuée, et surtout la réflexion en amont de la prise de décision est totalement différente.